Et cela va se faire avant d'entrer dans la conception du centre. Vous serez accompagné de votre chef d'établissement et votre enseignant pour maintenir la discipline. Nous ne voulons pas qu'il y ait des ordres dans le centre. Parce que cette année, à votre chef d'établissement, les lundis, il va les remettre en subdivision. Bien compris? Et en cela, s'ajoute l'effet de macabre que vous devez aussi payer, c'est 800 francs. Combien ont des gens payés? Merci beaucoup. Curieusement, vous avez commencé à payer le frais de macaro sans pour autant payer le frais de participation. C'est une aberration de coutage. On doit commencer par le frais de participation et pour avoir ajouté le frais de macaro. Puisqu'on a déjà acheté le macaro, sans pour autant payer le frais de participation, on ne peut pas présenter le frais. Bien compris? J'ai placé la confiance en vous. Je pense que vous allez avertir les parents et les dire, le chef d'établissement ira verser cet argent à la sous-division. Troisième point, je vais vous parler des mesures barrières. Nous allons passer les examens au centre Étoile Mugunga. Nous devons respecter les mesures barrières. Comment vous allez marcher? Vous viendrez suivi de votre chef d'établissement et votre enseignant pour maintenir la discipline. Nous ne voulons pas qu'il y ait des ordres parce que cette année est une année exceptionnelle. Nous devons respecter les mesures barrières. Comment vous marcherez alors? Vous allez marcher à quatre rangs de la manière suivante. Voilà comment vous allez vous placer. La première ligne, je vois le premier écolier. Deuxième ligne, je vois le premier écolier. Troisième ligne, je vois le premier écolier. Quatrième rang, je vois aussi le premier écolier. Maintenant, pour les deuxièmes. Deuxième ligne, comment ils vont se placer? Le premier enfant viendra se placer ici. Et le deuxième ici. Et le troisième ici, il faut qu'il y ait de l'espace. On va respecter distance, distance, distance. Voilà comment on va se placer. Même quand vous allez prendre des places, c'est de la même manière. Un enfant va occuper un banc. Vous serez assis seul, par banc. Il est prévu un enfant par banc. Pour respecter les mesures barrières. Bien compris? Quand vous serez déjà reçu à la porte, vous allez vous laver les mains. Bien vêtu, n'est-ce pas? Avec vos masques, vous allez vous laver les mains. On va prélever votre température au moyen de thermoflash. La prévalence des températures s'avère vraiment très capitale. Et puis, on va vous conduire là où vous allez vous asseoir. Ne voulons pas qu'il y ait vraiment un désordre au centre. Bien compris les enfants? Oui. En respectant les mesures barrières, j'insiste beaucoup sur la distanciation sociale. Et je vous remercie. Merci. Avant de quitter la salle, je souhaite à tout le monde une bonne réussite. De l'excellence, n'est-ce pas? Oui. Les données, je les dépose. Votre centre, c'est où? Votre centre, c'est où? À Goma Espérance. C'est ça, votre centre? C'est là que vous étudiez, peut-être. Vous allez ici à l'école. Ils sont à peine, malheureusement, ils ne sont pas morts. Ah, il y a un problème. Ici, on a tout le monde. Vidéo, t'as tout ce qu'il y a dit là-bas. Oui. Ouais, là, c'est ce qu'il y a.
communication de personne. Donc je m'allume à connaître qu'il y a des endroits. Espérons que nous avons oublié de faire le programme.